Bonjour, bonjour! Et voilà, on se retrouve pour continuer l'album Places We Go de Minté pour la boutique et l'équipe de Corinna. Alors, je vous ai laissé, après avoir fait ça, c'est-à-dire le fond, le rabat du haut, le rabat de gauche. Le rabat de droite, c'est exactement le même. 13,5, 20,5. On plie à 11, on plie à 11,5. On a la petite pochette ici, 15 sur 4. Sur le côté 15, on plie à 2, on plie à 13. On l'a fait déjà une fois ici, c'est la même. C'est sa sœur jumelle. Donc toujours pareil, on va la coller sous notre page de base. J'ai même collé le papier parce que le papier aussi est identique, du moins pour le côté de la pochette. Alors, ici, c'est le même papier que là. Donc, hein, on l'a bien regardé, vous l'avez vu. Ici, c'est toujours pareil. C'est les chutes que je viens mettre ici, sur ma petite pochette là. Ma minuscule pochette où il rentre une photo, hein, vous savez. On peut rentrer toujours les photos 10-15, hein, au maximum. Je fais toujours les photos standard. Voilà. Alors, dans cette petite pochette, j'ai également fait ma petite carte. Donc, toujours pareil, avec mon dos en blanc. Je la glisse dedans. Et je n'ai plus qu'à coller le dessus, qui est la suite de celle-ci. Voilà, je l'ai coupée comme ceci, pour pouvoir sauver la voiture. Cette coccinelle est magnifique. Ça fait très rétro, c'est chouette, je trouve. Alors, ça me fait du travail, hein. Quand je vous montre tout comme ça, c'est un petit peu plus long. Voilà. Donc, bien évidemment, à vous de voir, parce qu'on peut faire les deux, mais moi là, comme ma voiture elle est coupée, je préfère ça parce que je trouve que là ça se marie bien. Il y a les portes qui sont en face, donc ça fait un peu trompe-l'œil, vous voyez là aussi. Parce que je voulais à tout prix qu'on voit bien cette. Ça me gêne, donc je vais l'enlever. Maintenant, ça va tenir fermé. Alors maintenant, on a un grand rabat en haut qui est travaillé et un petit rabat en bas. On va commencer par celui-là. C'est le plus facile, on s'en débarrasse. Parce que vous allez voir en haut, il y a des cascades à mettre, donc la structure est un peu plus longue à monter. Alors ici, le rabat qui va se mettre toujours pareil, dessous notre page de base. Donc ici, ça fait 9,5 sur 16. C'est là que peut-être je mettrai déjà des aimants. Je vais voir si je peux, parce que j'ai tellement mis de cartes de rabat et de trucs comme ça, je ne sais pas si on va pouvoir. Fait, bref, 9,5 sur 16 et du côté 9,5, on plie à 6,5, à 7,5, on commence à attaquer les goussets d'un centimètre. Comme ceci. Normalement, ça doit tenir avec le reste, mais bon. Normalement, j'ai prévu. Alors, je voulais mettre des rubans. Et comme il y a de très belles images, j'ai peur que les rubans les cachent. Alors, je ne sais pas trop encore. Pas encore bien décidé, mes fermetures. On a le temps, je ne suis pas arrivée à la dernière, au dernier rabat. Voilà. Donc ici, c'est fait. C'est collé. Tout est en dessous. Et ça, c'est ça qui le tiendra, je pense. Alors, dessus. Toujours pareil, c'est cette page-là. Hein. Voilà, là où il y a, je sais plus, il y a plein, il y a un bouquet de fleurs très simple, je crois. Mais c'est pour avoir le côté vert, en fait. Donc ça, je mets un morceau ici. En fait, toutes mes pochettes sont pratiquement identiques. Hein, au niveau couleur, je parle. Hein. Donc là, sur le petit rabat, encore le vert.
de l'uni. Parce qu'on intercale, hein, vous avez vu les images, les unis, pour pas charger, hein. Papier chargé, donc il faut faire attention de ne pas charger. Donc là, on est toujours sur le brick. Donc là, j'utilise le même qu'il y a là, hein, avec les briques de l'autre côté. Mais comme je n'en ai pas assez, et que je ne peux pas faire un rajout de fleurs parce que c'est pas joli, je vais vous montrer ça. Dieu, si on n'a jamais les fleurs qui tombent bien en face les unes des autres. Ici, c'est également le même papier. Mais vous n'allez jamais arriver à faire correspondre les fleurs. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Donc, cette fois, je vais le mettre du côté brique. Parce que l'air de rien, ça me fait le socle de cette image-là. Comme s'il y avait le petit mur en bas de cette image-là. Ça fait un petit effet de décor. Tout ça pour vous dire qu'on ne colle pas n'importe comment, on réfléchit. Bon, bien sûr, quand on fait des ajouts de papier comme ça, on laisse toujours un petit espace ici entre les deux, à peu près équivalent à ce qu'on met sur le côté là, donc 1,5 mm et 2 mm, pour accentuer le changement de papier et pour que ce soit plus propre. On a fait le petit rabat. Alors, on va faire comme tout à l'heure, comme avec l'enveloppe, enfin tout à l'heure, l'autre vidéo. Voilà, pour qu'il prenne bien le pli, on va le tenir comme ça, ça tient bien après. Alors, on a un gros travail à faire sur le rabat du haut. Donc, je vais le démonter. Et on va le travailler avant de le coller sur la page de base. On va le travailler. Alors, vous voyez, dessous, il y a encore ce, mais ça, je vous montrerai après. Ça. Allez, 36 choses à la fois. Alors, on coupe un morceau de 19 cm sur 16. Et sur le côté 19, on va plier à 16 et à 17. On va retrouver notre 1 cm comme là. 19, 16, 17 sur 16. Et on collera ça dessous notre page de base. Alors, sur ce rabat, on a deux cascades à coller. Alors, attendez, hein, je fais ma cuisine. Je fais ma cuisine parce que je ne peux pas le faire avant, sinon tout va se mélanger. Je redoute la catastrophe dans ces cas-là. Donc, je préfère le faire comme ça au fur et à mesure. Si c'est trop long, vous n'avez qu'à passer plus vite. Alors, vous allez mettre... Du coup, je ne vais pas me rappeler. C'est celle-ci... Oui, c'est ça. Celle-ci qui est en bas du rabat à droite. Là, vous avez le rabat de 19 sur 16. Là, vous avez la cascade de 18 sur 11 et sur le côté 18, on plie à 16. Ça, on le coupe deux fois. 18, 11, on plie à 16. La première cascade, elle va venir directement se coller comme ceci en bas à droite. C'est pour ça que moi, j'ai mis mon scotch à l'intérieur. Et comme ça, on va pouvoir l'installer directement. Sans réfléchir. Hop, ça c'est fait. Comme ça. Là, c'est pareil, il faut que ça prenne bien notre pli là. Ensuite, ce rabat, on va l'ouvrir vers le haut. Et donc la deuxième cascade, on va la mettre en bas, côté gauche. Le long de la première pliure du gousset. Comme ceci. Ça va s'ouvrir par la gauche. Ok, alors attention de pas coller le rabat sur le celle qu'on vient de mettre, bien sûr, hein. C'est bien un truc qui aurait pu m'arriver, ça, avec mon étourderie habituelle, hein.
Voilà. Donc, je répète, celui-ci, il est. Ça, c'est le rabat du haut. 19 sur 16, 16, 17. On va avoir une cascade qui s'ouvre à droite. On va ouvrir notre rabat et on aura une cascade qui s'ouvre à gauche, comme ceci. Et à l'intérieur de ça, on a une carte également qui va être maintenue par un petit die-cut. Mais ça, on le verra après. Pour l'instant, on va accrocher notre rabat en haut comme ceci. OK? Donc là, attention, ça commence à devenir un petit peu épais, de bien coller, de laisser apparaître la pliure du gousset. Ne collez pas trop au bord parce que sinon votre charnière là, elle ne marchera plus. Et c'est important pour la bonne marche de la du bloc. Il faut à tout prix qu'on voit la pliure ici du gousset pour que ça tienne bien. Ben que votre gousset se rabatte bien et fasse bien son boulot. Alors, premièrement, on colle ici. Il va falloir enlever ça va me gêner. Donc, ici, c'est celui-là à l'intérieur. Alors, ici, c'est ça. Ah oui, parce que là, j'ai un uni. Ici, à l'endroit, c'est mieux aussi, hein. Ici, je vais pouvoir mettre une photo. Alors, c'est un angle qui est normalement sur la gauche. On est toujours sur la même page là. Hein. C'est cette page-là toujours. Hein. Donc ça, on le colle ici en haut de notre rabat sur le dessus. Ah, je sais ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Allez. Et ici, on a notre image. Et donc, pour pas trop la cacher, j'ai utilisé le papier qu'il y a derrière. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc là, c'est toujours pareil, les briques, une chute. Et là, c'est toujours celle-ci, là. Hein. C'est toujours la même, hein. Depuis, j'utilise des bouts, des bouts, des bouts. Une page 30-30, ça a du bon dans ces cas-là. C'est que quand on l'utilise que pour des petits morceaux, on en fait beaucoup. Donc, voilà la cascade de dessus qui est recouverte. Et donc toujours pareil, à l'intérieur, je mets mon papier. Uni pour mettre mes photos. Et j'ai fait les petits angles là, avec ma perforatrice. Pour glisser les photos dedans, ça fait une petite décoration. Alors maintenant, on a ici l'intérieur, c'est celle-ci. Donc on la colle à sa place. Toujours faire attention à la pliure des petits goussets qui restent bien visibles pour qu'ils fassent bien leur travail. Et donc là, on a le papier uni à l'intérieur. Ah, il est tombé par terre. J'ai manqué ma poubelle. De toute façon, quand j'ai fini un album, enfin du moins quand j'ai fini un travail à la fin de la journée, par terre, c'est une catastrophe.
Alors, et ici, j'ai choisi, puisque là, on a un papier plutôt uni, j'ai choisi une chute de papier qui est un petit peu trop petite, mais ça me gêne qu'à moitié. Je vais coller ça d'abord pour savoir où j'arrive. Parce que c'est quand même un emplacement photo et que donc, c'est pas très grave s'il manque un petit bout. Voilà. Alors, donc ici, un papier uni sur le sur la cascade, là, sur la carte, on met évidemment un papier un peu plus soutenu pour voir l'image. Alors, à l'intérieur ici, on a une carte. Alors, cette carte, c'est pareil, toujours pleine de petits bouts et de petits machins, là. On va commencer par coller ça déjà, parce que ça, on sait. Comme ça, c'est fait. Alors, mes chutes de papier pour faire mes cartes. Les cartes, je les ai faites à la fin quand j'avais tout fini. Donc là, c'est une chute du papier de base, là, de la page de base. Là où il y a le bois usé vert. Donc comme ceci. Ça, c'est encore une chute, toujours pareil, de l'image, toujours la même là. De la boutique. Comme ceci. On essaye de toujours laisser un petit espace au changement de papier. Et donc en bas, j'ai choisi l'ocre qu'on a déjà utilisé également à petite chute aussi. Et tout ça, je vais la mettre ici avec un die cut. Alors, j'ai choisi où il y a le passeport, le billet d'avion, les valises entassées avec le bouquet de fleurs et la map monde. Donc, bien évidemment, je vais le faire de façon à ce que ça soit sous ma carte, hein. Donc, ici, j'ai mis mon scotch. J'ai déjà pris mes mesures, hein. Que j'aurais pu vous l'expliquer. En fait, j'ai déjà pris mes mesures. Donc, je colle ça au milieu de ça. Et ensuite, j'ai plus qu'à glisser ma carte. Ça me fait un stop. Comme ça, elle ne bougera pas. Et ça vient se mettre. Vous voyez, ça tient bien, hein, pas besoin d'aimant. Et ça vient se mettre par-dessus notre petit rabat. Alors, maintenant, il nous reste les deux derniers côtés. Alors, ici, on a le côté qui va aller dessous. Alors, je vais coller mon image tout de suite, comme ça nous fait gagner du temps sur les explications. Donc là, ces petites images, c'est bien pratique quand. Alors, Minty, ils sont forts, hein, ils nous en mettent deux pages. Une page, ça suffirait largement. Hein, mais bon, ça peut toujours servir pour autre chose. Elles sont tellement jolies qu'on peut très bien les utiliser pour autre chose. Hein. On peut faire des tags avec, on peut faire des cartes pour envoyer aux copines en agrémentant tout ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors ici, c'est le rabat qui va aller à droite, de ce côté. Vous voyez que ça se tient bien. Il n'y a pas besoin d'aimant. On en mettra peut-être sur la dernière page quand même. Alors, 14,5 sur 20,5. Et encore, je ne suis même pas sûre. Sur le côté 14,5, on va plier à 11 et à 12,5.
On a 1,5 cm et demi ici. 14 et demi, 11, 12 et demi sur 20 et demi. Ici, on va faire attention au gousset encore, hein. Il faut que votre pli soit bien visible pour que votre rabat se ferme bien. Sinon, ça va pas faire joli. Alors, 14 et demi, 11, 12 et demi, 20 et demi. Ça, on le colle dessous notre page de base. Et là, j'arrive pas à enlever les protections. Alors, attention là, hein. Bien en face, en laissant la pliure visible. Parce que dessous, c'est pas grave s'il y a de l'épaisseur, ça me gêne absolument pas. Voilà, comme ça, ma page se ferme très très bien. Ok? Ok. Donc là, pour le coup, on va défaire l'autre parce que comme ça, on va pouvoir mettre nos aimants de fermeture. Là, il nous en reste que deux. Ça va aller. Hop, ça, je le mets de côté. Voilà. Donc ici, on va avoir le second qui va venir fermer l'ensemble et on aura une petite boîte. Donc ici, 19 et demi sur 20 et demi. Et sur le côté 19 et demi, on plie à 16 et à 17 et demi. 1 et demi là aussi, hein. 19 et demi, 16, 17 et demi sur 20 et demi. Et ça, toujours, on le colle sous la page de base. La première page. C'est le plus délicat, ça, en fait, hein. Quand on fait un folio, de bien faire apparaître les goussets pour qu'on puisse bien profiter de nos pliures. Donc ici, on va pouvoir mettre, ça tient fermé, on va pouvoir mettre nos aimants ici. Ils sont tous collés. Alors, comme il y a quand même pas mal de surface, on va dire. Allez, on n'en a pas mis dedans, soyons pas pingres. On va en mettre trois et comme ça, on est sûr que ça tiendra bien. Donc, on le met sur le petit rabat. On appuie, hein, toujours pareil. Que nos aimants ne se promènent pas quand on va mettre le papier, qu'ils s'en aillent pas. Et on va donc positionner les trois autres pour les coller sur l'autre. D'accord? Pour les coller sur l'autre rabat. Alors, attention au gousset, que tout soit bien en face. Et on y va, on colle. Et voilà, notre fermeture est faite. Et vous voyez que même sans ça, ça tenait. Tout est à l'intérieur, ça ne gêne pas. Alors ici, on a sur le dessus cette image-là. Toujours avec la Vespa. Et dessous, c'est l'autre avec le manque un bout là, avec le balcon. Donc, on va déjà coller les deux grandes. Commencez par couper ça en fait, hein. En fait, moi je vous ai montré les papiers au fur et à mesure qu'on a monté notre structure. Mais quand si vous ne travaillez pas avec ce papier, que vous faites une autre collection. Commencez toujours par couper les grandes pages, les plus grandes comme celle-ci. Et j'allais dire celles qui se voient.
qui vont être jolies. La couverture, les dessus, etc. Voilà. Là, on a envie d'une belle image. On ouvre, on a envie d'une belle image. Ici, moins. On peut très bien mettre un papier un peu plus uni. On est toujours dans le papier faux bois, là. On peut jouer là-dessus avec des fleurs. Comme ça, on va pouvoir y glisser une carte et faire un stop avec quelque chose que je n'ai pas prévu pour l'instant. Mais bon, avec tous les die cuts que j'ai, les découpages et les machins, j'ai de quoi faire. Donc ça, vous savez. Donc ici, bien sûr, ben, il m'en manque un morceau. Quand j'ai coupé toutes mes grandes pages, évidemment, quand j'arrive pour les versos, il me manque un bout. C'est pas grave. J'ai récupéré, donc c'est de celle-là, voilà, c'est ça qui manquait là. De celle-là, j'ai récupéré le faux bois là. Et ça va aller très bien puisque ma page, il y a beaucoup de vert. Donc, ça y va excessivement bien. Voilà. Donc, ce côté, il y a une carte. Et là, il y a l'enveloppe. Ok. De ce côté, il y a une carte avec un stop. Mais ça, je le ferai après parce que je ne l'ai pas prévu pour cette vidéo. Donc là, on met l'autre morceau. J'essaie d'aller un peu plus vite parce que s'il faut faire 3 vidéos par bloc, on ne s'en sort plus. Hein. Que l'autre aussi, il est long à faire. Hein. Enfin, il y a 31 jours dans le mois de mai. On devrait y arriver. Sinon, on débordera un peu. On la mettra deux, une fois. On peut mettre les deux, le même bloc, par exemple. Alors ici, on a le même papier que là. Pardon. On a le même papier que là. Toujours le même papier. C'est une chute. Donc, il nous manque un morceau. Qu'est-ce qu'on fait? On ne se décourage pas. On le colle. Et on voit ce qui manque. Et quand on voit ce qui manque, on se rend compte qu'il y a des petites pochettes dans la petite pochette que je vous ai montrée là. Il y a des petites pochettes qui vont exactement, qui ont la bonne dimension, mais alors exacte. Si j'avais voulu le faire, je crois que je ne serais pas arrivée. Et en plus, c'est le même papier. Regardez-moi la chance que j'ai. Donc, c'est le même papier. Et donc, je colle sur 3 côtés pour glisser ma photo derrière ou une carte ou ce que vous voulez. C'est fait pour mettre une photo puisqu'ici nous avons 11. Donc là, facile. Ça va tout seul. Et donc ici, on glisse la petite carte pour l'instant. Et donc là, il nous reste où est-ce que j'ai oublié? J'ai prévu une petite carte, je ne sais pas où elle va. Donc ça, je ne sais pas. Ah ben si. C'est mon stop en fait. Je suis bête. Mon Dieu que je suis bête. Alors, ici, j'ai utilisé une petite carte pour faire un stop. Pour pouvoir y glisser ma grande carte derrière. Donc évidemment, je colle d'abord mon papier. J'arrive. Voilà. Donc évidemment, ma carte, pour qu'elle se glisse à l'intérieur, je ne vais le coller que sur 2 côtés. Et toujours du scotch rouge pour que ce soit bien solide. Hein. Je fais toujours ça. Hein. Un peu maniaque quand même. Hein. Alors, on y va de son plioir. Là, n'oublions pas. Et donc, il nous reste la carte à faire. Donc là, c'est le haut de la maison. On est d'accord? Toujours la même page hein, depuis. Hein.
On en a fait des morceaux avec cette page, hein, que j'aurais très bien pu utiliser dans l'autre sens. Mais bon, j'avais envie un peu de fleurs. Alors, il y a toujours un peu de fleurs, c'est toujours un peu plus gai. Et à côté, c'est celle avec la brique pour y donner un petit air de d'ocre, puisqu'on mélange un peu les deux couleurs. Voilà. Et donc derrière, mon papier uni, comme d'habitude. Et on arrive à la fin de ce premier bloc, qui est le bloc de gauche. Alors la prochaine fois, on fera le... Je commencerai la vidéo par le coller. C'est quand on se trompe qu'au lieu de mettre à la poubelle, on met dans les aimants. Et donc ça, voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on colle ceci sur la couverture. Eh bien, vous voyez, avec tout ce qu'on a fait, avec tout ce qu'on a collé, parce que c'est quand même un bloc assez important, tout se ferme impeccablement. Donc, ça, ça et ça. Une fois que c'est fait, on a l'impression qu'on n'a rien fait, hein. Mais c'est pas vrai, on a boulotté, hein. On a fait du travail, hein. Donc là, je vous conseille de le coller au scotch. Parce qu'avec la colle dans les coins, avec l'épaisseur et tout, j'ai peur que ça se décolle avec le temps. Alors, je sais, je suis très scotch, hein, enfin bon. Moi, je vous donne des conseils pour que ça tienne dans le temps, pour que vos albums durent. Ça donne quand même beaucoup de travail. Alors, on a envie que ça dure quand même. Mais vous voyez, ça fait vraiment un très joli bloc qui se tient bien, qui se ferme bien. Je suis contente, le premier. J'espère que le second, parce qu'il est un peu plus épais, le second. J'espère que ça sera pareil. Allez, premier bloc de fini. Merci beaucoup. À bientôt pour la suite. Allez, on fera le bloc numéro 2. Pour la page de droite, merci beaucoup, à très vite, au revoir tout le monde.